As-tu un amoureux ou une amoureuse ou je ne sais pas quoi? Est-ce que cet amoureux est un youtubeur? Bah ouais, mais mon école elle le sait hein. Salut! Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner et à cliquer sur la cloche. Et surtout regarde la vidéo jusqu'au bout si tu veux que ton nom apparaisse dans la bulle magique d'une prochaine vidéo. Bon visionnage! Salut à tous les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis super contente de faire parce qu'aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire, Stéphane, on va? Alors aujourd'hui on va faire une FAQ. Alors on va répondre à des questions comme est-ce qu'elle est amoureuse, est-ce que, enfin, la pire honte de ta vie, etc. Alors ouais. Réponds pas tout de suite parce que on va laisser le suspense un peu, on va répondre dans la vidéo. Enfin bref, suivez-nous. Bah non, suivez. Allez. Ta-da-da-da-da-da-da-da-da. Donc c'est on parti. Va commencer avec la première question, alors personne l'a posée, c'est normal. Alors on va se présenter, donc moi c'est Esteban, j'ai 16 ans et toi tu es... Moi je suis Ligereuse et j'ai 9 ans. Voilà, donc c'était la petite présentation. Ensuite, première question de Christelle, tu habites où? À Lille. Alors nous habitons dans la ville de Lille qui est dans le nord de la France. Alors si on devait situer Lille sur la France, c'est ici environ, à côté de là, de quel pays? Bah, je sais pas. Bah, de la Belgique, non? Bah oui, de la Belgique. Voilà. Donc, ça, c'était la petite question de Christelle. Ensuite, le prénom de ton frère de la part de Brahim. Comment je m'appelle? Esteban. Alors, bien sûr, vous commencez à me connaître parce que je suis là dans toutes les vidéos. Forcément, avec Lily-Rose, c'est moi qui filme. Et... Oh, elle s'est blessée, ça, attention. Ça. J'ai traversé le terrain de foot dans mon école parce que la cour, elle est divisée. Enfin, voilà. C'est un quart de foot. Et en fait, il y a quelqu'un qui voulait rattraper le ballon, il a fait ça. Et du coup, voilà. Bah. Donc, c'est un petit croche. Alors. Nous allons passer tout de suite à la question de Inès qui pose une question très intéressante. Pourquoi tu fais des vidéos? Parce que j'aime bien faire des vidéos. Alors, et ça nous... Franchement, c'est super pour nous. Bah ça... Bien sûr, ça... Ça prend du temps. Ça prend du temps, tout des ça. Fois on a, des fois on mais a c'est pas... pour la bonne cause, sinon je porte, j'aurais pas les robes, tout ça. Voilà. Voilà, et puis on s'amuserait moins. Parce que voilà. Mais franchement, si YouTube voit cette vidéo, même s'il ne verrait pas. Bah voilà, merci. Voilà, merci. C'est... Et puis bon, ça nous permet de faire plein de choses quand même, des SML Challenge, etc. Et puis, bien sûr, on fait pas des vidéos nous que amuser, de. Quoi. Voilà. On fait pas des vidéos que depuis cette chaîne. Avant, on avait une autre chaîne. Et après, avant encore, on avait une autre chaîne. Alors moi, j'ai eu plein de chaînes, etc. Mais avant, on avait d'autres c'est chaînes. Alors, non, tu diras pas ce que c'est. Parce que bon, j'ai pas envie que vous retrouviez. Mais. Peut-être qu'un jour on postera les anciennes vidéos de Ligereuse. Oui. Elles étaient bien. Ouais, mais on en faisait même pas une tous les mois. On en faisait très rarement, c'était très rare. Mais elles étaient bien. C'était... En même temps, on s'entendait pas. Maintenant, on s'entend bien. Alors, une seconde question, enfin une seconde, on est plus que seconde là, de la part de Chloé. Comment tu fais tes vidéos? Alors, explique. Alors, déjà, une vidéo, ça commence par une idée. Une idée. Alors, qui trouve les idées? Bah nous deux. En général c'est plus moi quand oui, même. Oui, mais moi des fois je te donne, enfin ça dépend, si tout le monde c'est lui qui m'a, je sais pas comment tu t'appelles, mais si tu regardes cette vidéo, celui qui m'a donné l'idée de 24 heures comme une prof. Bah voilà. Merci beaucoup parce que alors, franchement t'es super gentil. Moi en général pour trouver des idées je vais soit, sur des chaînes anglaises, anglophones, aux États-Unis etc. Soit en France. Soit moi je... Voilà, on pique des idées, on crée des idées, voilà c'est ça YouTube. Ensuite bien sûr on fait la vidéo. Et avec une caméra et un micro. Une caméra qui est un Canon 200D, un micro Rode pour ceux qui connaissent. Qu'on a commandé à Amazon. Ensuite je fais le montage sur mon ordinateur avec Sony Vegas, la miniature avec Photofilm. Sony Vegas Pro. Oh non, pas avec Photofiltre, avec Photoshop, pardon. Et donc voilà, bah et ensuite vous la voyez et c'est parti. Et voilà. Des fois on fait nos vidéos une semaine à l'avance, des fois le jour même, enfin pas le jour même, le jour d'avant ouais, pour le poster. Jour d'avant, parce que sinon, ce serait trop compliqué. C'est pas possible. On la poste et voilà, c'est réglé. Et vous aimez ça, donc on continue. Alors, bah regarde les gens quand même. Parce que sinon bah. Sinon on les ferait pas, hein, ce serait compliqué. Ouais. Alors une question de Salma qui nous pose: as-tu des passions? Si oui, lesquelles? Bah, YouTube. YouTube, c'est pas vraiment une passion, c'est plus une activité. Non, mais c'est quand même... Moi, c'est quand même ma passion. C'est parce que t'aimes bien, quoi. Alors, Le basket. Voilà, le basket. Et qu'est-ce que tu fais d'autre? Et l'athlétisme. L'athlétisme. Et je pense que c'est tout, hein. T'aimes et bien. J'aime bien l'école. L'école, les vidéos, etc. Voilà. Donc, un emploi du temps bien chargé pour Ligereuse. Et j'aime bien la tablette. Alors, ensuite, nous allons voir ta matière préférée. Alors, de la part de Yasmine. Alors, ma matière... Qu'est-ce que tu aimes faire? Bah, en ce moment... C'est quoi?
Géométrie et maths. Géométrie et maths. Alors, voilà. Avant, t'aimais pas les maths, c'est ce que tu racontais. Maintenant, j'aime bien. Parce qu'il y a une FAQ sur notre chaîne, la première qu'on a fait pour les 100 abonnés. Maintenant, j'aime bien les maths. Et bah voilà. Et j'adore la géométrie. J'ai eu plein de A+ et qu'un seul A à mon contrôle. Donc elle est assez. Est-ce que tu es assez forte à l'école? Oui. Parce que les gens se posent des questions sur nos vidéos, etc. Oui, mais ça c'est attends, des sketchs. On y répondra après dans une prochaine question. Alors là, je vois que la tablette c'est plein. Ouais. Alors, ta matière préférée, donc tu as y répondu. Oui. As-tu des animaux? Alors ici, de la part de Gacha. Alors j'ai deux oiseaux, deux lapins et j'avais des poissons mais ils sont morts et j'avais des chats mais ils sont morts. Voilà. Bref. Donc tout le monde est mort, bah tout le monde meurt, c'est la vie. Hein, bah c'est non. Ça. Ben non, mais bien sûr. Alors, donc ça c'était la petite question. Et peut-être qu'on aura un chat bientôt. Voilà, un chat pour parce qu'on a vraiment envie d'avoir un chat dans nos vidéos. Vous nous demandez beaucoup et nous ça fait longtemps qu'on veut un chat. Voilà. C'était quoi ce rire? Alors, donc une autre question de la part de Jamalia. Voilà. Alors, c'est une question que tout le monde se pose. Alors, c'est pas encore la question des amoureux, etc. Hein. Ah, okay. C'est la question de... Est-ce que vos vidéos sont vraies? Alors, c'est une question qu'on nous pose tous les... Il y en a qui sont des sketchs, il y en a qui sont des pranks, il y en a qui sont réels, tout simplement. Alors, pour ceux qui sont des sketchs... Par exemple, ceux d'école, c'est des sketchs. Voilà. En fait, si c'est un sketch, c'est soit écrit dans la description, soit dans le titre, ou soit dans un commentaire. Ou soit dans notre tête. Voilà. Non, mais on vous le dit toujours, de toute façon. En tout cas, moi, je note toujours quelque part que c'est un sketch. Oui. Donc, de toute façon, c'est jamais moi qui écris. Voilà, le but de notre chaîne, enfin, c'est de... quelques commentaires, mais... Le but de notre chaîne, c'est de vous faire rire. Rire. C'est pas... Il nous arrive pas tous les malheurs du monde, hein, quand on se fait capturer par je sais pas quoi, quand il y a la police qui arrive, quand la maîtresse est en colère. C'est pas forcément vrai. C'est pour vous faire rire, vous savez. C'est pour vous faire rire. Bah, heureusement, sinon là on se retrouverait je ne sais pas où. Là. Voilà. Alors ensuite, bon voilà. On a une question. Quelle est ta pire honte? Ma pire honte. Alors ta pire honte. Ma... Ça c'est personne qui l'a. Si, c'est une personne, mais son pseudo c'était le faux pseudo d'un youtubeur, donc je l'ai pas mis. Alors. La pire honte de ta vie, le moment où tu t'es dit oh non, si c'était arrivé, vraiment j'aurais dû m'enfuir. Ah, mais c'est plein de fois, mais je sais pas. Bah, t'as pas une pire, bah quand on fait des vidéos déguisées dans la rue par exemple. Ça t'aimes pas. Ouais, du tout. La pire honte de la chaîne. La pire honte de la chaîne, allez. C'est quand j'ai la première fois que j'étais en licorne dans la rue. En licorne, bah, pour la vidéo, je vais en pyjama. Sinon, il y a plein de fois où je me suis. Bah, la vidéo bébé, etc. Ouais, mais il y a plein de fois. C'est... Voilà. Bah, notre chaîne, c'est un peu de la honte. Hein, quand même, à chaque fois qu'il se passe des situations, elle a mal à cause de sa blessure. Alors, ensuite, nous avons la fameuse question que tout le monde se pose, qu'on a reçue des dizaines de fois dans le post à la communauté. Alors d'ailleurs n'hésitez pas à liker la vidéo et mettre en commentaire hashtag FAQ et hashtag amoureux. Ça nous ferait vraiment super plaisir si vous êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo. Ouais. Donc, as-tu un amoureux ou une amoureuse ou je ne sais pas quoi? Bah oui, un amoureux, mais on est juste un tout petit peu amoureux. Voilà. Alors, ensuite une autre question. Est-ce que cet amoureux est un youtubeur? Non. Es-tu amoureuse d'un youtubeur? Non. Y'a aucun youtubeur? Non, il est dans ma classe. En plus, il est à côté de moi, juste. Ouais, mais là, si tu le dis, tout le monde va le savoir, hein, si tu le dis en vidéo. Parce que là, il y a des milliers de personnes qui vont regarder. Hein. Bah ouais, mais mon école, elle le sait. Hein. Ah, d'accord. Bah, donc, ça va, j'en fous. Alors, bon, ça va. Alors, ensuite, nous avons... En plus, non, rien. Une toute dernière... Ah, tu voulais dire quelque chose, peut-être? Non, c'est bon. Là, on a acheté plein de déguisements. Ouais, plein de déguisements. Sur Amazon. On a acheté plein de déguisements. On pourrait faire plein de vidéos. Plein de déguisements gonflables, etc. Regardez, donc ça, c'est... si on n'aurait pas la chaîne YouTube, j'aurais pas ça. Ouais, pas ça, c'est tous les Yes Man Challenge. J'aurais pas ça non plus. On n'aurait pas les éclairages, les caméras, etc. J'aurais pas ça non plus, j'aurais pas plein de trucs. Donc je pense que tu peux conclure, parce que ça me paraît une bonne réponse. Non, mais moi j'ai envie de encore... Bah non, il n'y a plus de place dans la caméra, Lilo. Oui, c'est vrai. Ouais. Allez, on a filmé un tour. Ta petite outro. Ouais, on a filmé déjà 11 minutes là. Ah bon? Allez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Bye bye!